Pas un seul coup de feu n'a été tiré au cours de l'opération militaire menée ce dimanche à Rio. Un exploit, comme a pu le souligner le chef de la police militaire brésilienne, quand on sait que la favela de la Lousinha passe pour être le principal lieu de trafic de drogue de Rio. L'un des plus puissants cartels y fait la loi depuis au moins 30 ans. Maintenant, témoigne cet habitant, nous allons avoir les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen. On nous traitera comme les habitants de Copacabana. C'est très tôt ce matin que les forces d'élite de la police, appuyées par des blindés, ont investi la favela de la Lousinha. L'opération semble avoir été surtout médiatique en vue de la Coupe du Monde de football au Brésil. Tellement médiatique qu'elle a donné la puce à l'oreille aux narcotrafiquants, le bilan est maigre, un seul suspect a été arrêté et 13 armes saisies.